Nous avons un ami cuisinier qui a préparé spécialement pour toi un plat. Alors on parle là d'une terrine de rat. Alors je précise que c'est un grand cuistot, hein. Grand cuistot, il préfère rester anonyme. Et il t'a ramené donc une terrine de rat avec évidemment un peu de melon. Exactement. Vous avez face à vous, à votre gauche, terrine de rat Gondin, la raquette avec laquelle vous avez perdu et du melon. Alors les couverts sont nettoyés pour des raisons sanitaires. Mais quand l'a fait, tu peux le faire. Je allez, vous laisse qu'il est. Allez, 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 allez. Le melon qui est immunisé. Très bon. Le melon est bon. Le melon est magnifique. Allez, mais goûte le rat. C'est quoi du rat? Oh, c'est dur. Alors c'est froid, c'est froid, hein. C'est un plat froid, c'est préparé avec amour. Allez Jérôme. Et quand allez, on fait Jérôme. Des paris, allez. Ça peut pas être pire que hier soir. Putain, c'est blanc ça. Mais non, ça passe, franchement. Pas possible. Ouais ouais ouais. Très bien. Franchement, c'est très bon, je vais même en reprendre un bout. Alors oui. Voilà. Voilà un homme qui tient ses paris, bravo Jérôme. Bravo Jérôme. Voilà. Prends le melon quand même maintenant. Le melon. Allez, 59,90 s'il vous plaît. 59, alors tu nous diras si c'est bon parce que le cuisinier en question réfléchissait à le mettre à la carte pour la réouverture des terrasses bientôt. Donc faudra que tu. Un mec qui a bouffé du pangolin. Maintenant un mec ça se mange. COVID. Non, c'est comment sans déconner. C'est quoi le goût? C'est horrible, c'est gélatineux et tout, non? Un petit peu.